Bonjour Blaise Boula. Bonjour maman. Donc aujourd'hui c'était conférence, pré-conférence et après pour album et Bimi, Naba Platform, c'est ça. Et Obima le 7 juin, c'est ça. Le 7 juin. Le 7 juin. Ouais. Et le 7 juin, donc vraiment, vous voyez qu'à prendre un bon monde quand même, dans votre presse, vous voyez qu'il y a un clip officiel, un clip à Alexandrine. Et ça, c'est Nanzela, donc c'est côté de YouTube. Bota Lango, pour vous voyez. Et Naba Platform, nous surtout, disent qu'ils ont déjà un terrain. Donc, physique grande le 7 Nairobi ma parce que tu me sous ba ko tabla ma internet ming te fois somba pena ya yelo ya simbi ngo pena ma boko mi balé pour na monique rende kita a simbi ngo voilà yo ba toi là rende kita 12 titres c'est ça 12 graines 12 nzété ko ba titre été 12 graines 12 nzété ça veut dire 100% bio dans ce rôle ni graines mon Nairobi ma nzété toi arroser ka ya on a 5 yo sera arrosoir boire la ra malem yo lobe la ka ka hein maman. Et trois mois après, au moment où on a été relié à Bambouma. Ah ouais, c'est plus pour lui, l'album et tout. Je te laisse dire un mot à tous les confrères qui sont ici. Tara, et donc c'est toi le héros. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Ah. Merci, c'est gentil. Il a eu les lots de là pour la sortie il y a Rende Kita. J'adresse vraiment à la jeunesse qui me regarde en ce moment. Le grand message dans Rende Kita, c'est qu'il faut se préparer maintenant pour votre avenir. Alors, ce n'est pas une conférence de presse, c'est juste l'annonce de la sortie physique de l'album. Parce que la sortie digitale a déjà été faite. Déjà sur ligne, vous verrez que vous tapez Spotify, vous tapez iTunes, vous tapez tout cela dans sur toutes les plateformes, le disque est déjà en place. Donc en téléchargement, c'est déjà en place. Alors là, la sortie est fixée au 7 juin 2018. Parce que si on ne donne pas la date, les gens penseront que donc c'est 2030. Voilà, donc 2018, le disque va sortir. Et bientôt, vous verrez en ligne sur YouTube, vous verrez le clip officiel de Alexandrine, donc un des titres phares, qui sera mis en ligne. Voilà, là, je repasse la parole à Francis Cacolde. Merci. Merci beaucoup, l'artiste. Alors, on va juste pour appuyer sur ce qu'il a dit. Le clip est sorti officiellement aujourd'hui. Au moment où on parle, à 15, depuis 15 heures juste, le clip est en ligne. Si vous allez sur YouTube, je pense que le chargé de production, M. Lukunku, qui est là, va nous mettre ça sur l'écran, je pense, derrière. Vous allez découvrir en exclusivité le premier extrait de l'album, premier clip qui s'appelle Alexandrine. On va regarder ça dans quelques secondes. Et puis juste après, je vais vous laisser en compagnie avec Noli, le porte-parole de la maison Catland, parce que je vous rappelle que c'est une production de Catland. C'est des nouveaux venus dans la place. Nous allons développer dans quelques minutes. Mais d'abord, le plus important, c'est l'œuvre. On va regarder le clip tout de suite, avant que la petite ajouter quelque chose avant le clip. Non, mais l'exclusivité, c'est ça. Donc, que le clip, par exemple, là, soit annoncé. Et après, peut-être qu'il y aura deux petites questions. Parce qu'en fait, après, ici, j'ai un autre rendez-vous à Lyon. Donc, je vais prendre mon train. Comme tout le monde, à 16h, comme je l'avais dit tout à l'heure, tout est fini. Donc, on va regarder le clip. Et puis, juste après. Ma soeur, ma frère sont là pour quelques questions concernant l'album. Mais la vraie conférence de presse, je le rappelle, ça sera le 7 juin prochain. Ouais, le 7 juin prochain. Donc aujourd'hui, c'est juste pour lancer le clip et parler de l'album très rapidement. On vient de voir en exclusivité, en tout cas pour toutes les caméras qui sont allumées et tout.
le clip Alexandrine, qui est le premier extrait de l'album Grande Équita, que je rappelle, ça sort le 7 juin prochain, à France, en Angleterre, à Paris, Londres, Bruxelles, Kinshasa, simultanément. C'est une production de 4 langues. Alors avant que Nape Sabino parole pour vous poser quelques questions, je rappelle que la conférence s'achève à 16h. Rapidement un mot artistique côté artistique de l'album. On a attendu un certain temps avant que Blaise Moula nous sorte un beau produit. Le pourquoi, autant de temps avant de sortir ce produit. Mais les lots, artistiquement parlant, les mots, bien expliqué, contexte, il a dit Bongo Navana avec ta canadina. Alors, les amis, les autres, nous avons moqué. 10 000 producteurs, c'est-à-dire 4 ans de production. Jabal Alawan, encore le manager de la boîte. Le producteur, donc, exclusif, le directeur général, M. Kadima Zouji, donc Arthur. En tout cas, vraiment, si on veut produire, qu'est-ce que tu dis? Mais bon, pas de problème. Et surtout que la chanson, et là, co-écrite. Donc, il y a mon producteur, là, tout écrivain. Là, il nous dit, dans le temps, quand on m'a donné la blesse, tu chantes pour ma femme. Donc, Alexandre, moi aussi, le producteur. Il y a mon accompagné, il y a une lettre, mais dans l'histoire, à Pomélie, madame. Ablana, tu chantes, tu censures un mouvement. Comme elle, il y a une bétanie, il y a une Si vous voyez ma bétanie, c'est un mot. Donc, organisation et salarié, là il y a qui dit ça, tout le monde sera dans le téléphone. WhatsApp, la timidité, la zone sortie, il s'équipe la blague. Alors, comme il faut te l'immortaliser, mon bon cannabis, parce qu'il a mis à Véro, à Portugal. Ablana, on fera le kit à Véro. Moi, pavillon, là, il est pas naïf. Donc, si tu n'es pas dans le côté de la ville là-bas, avec le d'abord, on peut venir à Porto. Donc voilà, donc tout le monde là, on le fera. Au tel moment, on a pu venir à Maïwana, au moment d'amour, Mélaria, et la Sira Ochakimaï. Donc, la Sepelaki, j'étais bien reçu là-bas, là-bas dans ma image, dans le cas. Donc, artistiquement parlant, si tu vois la mienne, surtout au moment d'avoir dit clip, voilà, ils ont la référence, il y a un bon. Parce que dans l'image, c'est ça là-bas. Au moment où on a bâti, on a essayé de faire un peu de temps. Ils ont levé le côté. Ils ont Portugal, ils ont levé le côté. Ils ont compris le message. Donc, il y a la tourisme, la carte, ils ont été instruits. Il y a quelqu'un qui a dit non, maman, nous mourrons. Allez, là, au fort. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on va donner la parole pour quelques secondes à Noli, parce qu'il est là par rapport à marketing, promotion et à œuvre Rwanda en tant que membre actif, la Katia Structure, il y a Jamal Nkunku qui est le directeur de 4 langues, un producteur. On l'a quelques mois à nous dire, et puis on va revenir à Copé Sabino Parole. Comme je vous ai dit, le temps c'est de l'argent. Puis nous tournons à Bino Rossal après, lui aussi, l'artiste. Donc on dit, s'il te plaît, expliquez Bisso, par rapport à la promotion, album Nengé Jimmy, et vous allez à la côté, le 7 juin, et vous allez à côté, côté. Merci beaucoup, Francis Kankote. Donc je voulais être un peu bref par rapport à la sortie de l'album Rendez Quitte de Blaise Boula. Donc, la sortie, vous venez déjà de voir, il y a les affiches. Donc, lobby ou après-demain, tout le monde en haut partout. Dans ma place, il y a surtout les caca, le Château Rouge et consorts. Donc, voilà. La minute sur vous avez album ici et Bimi. Dans ma plateforme, il y a un téléchargement. Donc, Rokota, dans ma sportive, Rokédé. Partout dans Tidal, dans la plateforme Nyoso, au moment d'album, Rendez Quitte, au Koyo Kapili Banganayo, au Koyo Nyoso, vraiment sur l'artiste Blaise Boula. Et le 7, conférence de presse, vraiment, il y a un nez, au Salaban, pour la Tola Kisa, Bino, Bakri, pour ce Tikali, la œuvre de l'artiste Asali, la monde entier. Donc voilà, sur le plan promotionnel ou marketing, les business de Ebi, donc on va vraiment faire en sorte que artistes à mon partout, tout le monde a fait dans le réseau Nyonso. Donc, en commun accord avec Bissot Presse, d'être au salaire que œuvre Oyo,
et artiste Blaise Boula, oui, tous les élèves vraiment, pendant tant et bien, de soutenir artiste Oyo, et que ça a vraiment une bonne chose, surtout pour notre culture. Vraiment. Merci aussi à vous vraiment de réussir de votre présence ce soir. Tous vraiment ensemble, tous sous l'artiste Blaise Boula, ensemble nous sommes forts. Et en Kennedy Bosso. Merci. Alors, je vois les grandes têtes de la presse qui sont à ma gauche et à ma droite. Tout ça, on va organiser pour éviter bien une question, bien avec sous-question, s'il vous plaît. Une, donc, c'est-à-dire chacun au maximum de questions avec une sous-question. Pour ce qui est Minaï, ils ont tout aux armes à répondre. Comment on l'espérait, monsieur l'ingénieur, se mettre aussi à un peu être actif sur les réseaux sociaux, notamment avec l'album qui vient de sortir. Vous entendez, je vous le dis, je le reconnais, que bon, je suis un peu moins présent dans les réseaux sociaux. Mais avec la production qui est signée, rassurez-vous, je pense que vous connaissez Loli. Si la boîte a fait appel à des gens, à des professionnels pour m'entourer, c'est pas pour rien. Ils ont eu le temps de m'étudier, de bien comprendre les failles de Blaise et combler pour que leur histoire soit meilleure. Merci. Pour votre information, il y a une page officielle Blaise Boula rendez quitte. Donc vous pouvez voir Blaise Boula tout le temps sur sa page officielle. Donc je vous invite à consulter cette page. Blaise Boula rendez quitte officielle. Merci. Donc, Présente-toi et ça commence. Question posée relative à titre album, qui est plutôt. Qui est album et ça pour exprimer en fait un avenir. Donc, avenir. Et puis, à chaque chanson, on a l'impression d'écouter uniquement les chansons d'amour. Est-ce que l'amour, pour expliquer la chanson, il y a un rapport avec le contenu, façade, il y a album en fait. C'est ce que je voulais poser la question. Avec cette question, mon coup, il peut sembler être banal. Mais c'est important quand même parce que Bissot, la communauté de Tchakababilo, au moins à Marc-Yohanna, qui a été évoqué, raison pour laquelle on n'a pas vraiment inspiration là pour s'inspirer d'un rendez-vous Wapi. Et puis, chanson mini, où ils ont un rapport, l'inspiration à rendez-vous. Bref, explique rendez-vous. Non, merci. Non, pas du tout. Merci. Dadou. Ok, merci. Nazara croyant. Ça veut dire dans la Bible. Bible est un résumé des mots. L'amour du prochain. Enfin, l'amour. Bon, moi, on va verser au monde dans ses entités. Selon Ézéchiel, aux Jean, aux Marc, Vanille. Au moins, on va voir comment on va en ressus. Mais ce qu'on dit fond. Forme, l'aime se comprendre dans la fond. Il ne parle que de l'amour. Il y a un moment donné, si vous tenez le manque, la tchaki, au moment de ce moment-là, la t-shirt, au moment de la il a 12 titres. Il a 12 titres, on a sous le yoga, dans le bras, que non. L'Iba, là, c'est quoi? La Dabala, au moment, là, c'est la Dabala, là, dans les rangs de titres. Donc, il faut qu'on la pour comprendre, ma bébé. La disait, mon on a dit, demain, tout ce que vous deviendrez demain se prépare aujourd'hui. Il y a un moment donné, Bible n'a pas beaucoup chéri, on a dit la loi sambo. Au canicam de Monsanto, la ticole et cassera à Marit. La page est la souka et la Bible, comment on dirait par référence biblique. Nous au cabal fond à la frère en Christ, Mingalibo Marabano, Oyosomo. Chéri a bondi naï, mais chéri, on a dit bala. N'a le bar à ton bouquin, on a vu ma vie. N'a tout n'a pas ce qu'il y a au monde. Mais la vérité, qu'on a dit le saut. Il y a mis balé, il y a tout fait. Il y a mis ça tout là, à le monde. Coco, ça m'a dit un mec. Donc, en fait, Coco, ça c'est quoi? J'avais cru, mais la Randekita m'a dit déçu. Donc, Randekita, c'est la philosophie. Vous en battez Randekita, tu veux dire Randekita, Randekita, toutes les choses se résument. On va voir, c'est la fin qui justifie les moyens. Donc, Randekita, c'est la philosophie. Et Keba, vous en avez plus masse à peu près pour y entrer en l'air. Mais on est en Randekita. Mais tant que vous va bien. Mais Béli n'a pas été Béli, n'a sous qu'un amour. Il y a un qui va dans le kita, faites attention. Ça va m'aider. Ce que vous dites, non, mon ton appui, mon ton amour, a dit que c'est Béla. Moi, c'est là, a dit que c'est Béla. Donc, il faut se préparer maintenant pour se la choix, la Béla. Est-ce que vous avez le mal? Merci. On va la concentrer au titre. Là, il y a un bain de bétan de béna,
Félicitations, bravo, parce que l'album a pris beaucoup de temps. D'abord, félicitations, moi, la bonne amie, de lier vraiment la cérémonie à ce tour. Moi, je ne vous rends pas de questions parce que poser la conférence, oui, on est là. Je ne suis pas méchant. L'expérience, c'est un zoo, non, pas là, ou bien ça s'en a déjà. Yo, ou ceux qui ont déjà 4 langues à sa production, ou bien yo, à ce testament, ou pas là, yo, yo, zakoba, et bien, zakoba, et bien. Ou à la fin de vous, ils avaient non, 4 langues, mais pas d'expérience, il y a mal au dessus qui veut. Juste ça. Une couronne année, il y a vraiment quasi moyen. Merci. Adi Lendolé, merci. Je vous remercie que la conférence est très sérieuse à la le 7. Hein. Mais son moment dit. Il y a une crise, il y a un producteur, crise, il y a un producteur qui a la ressource. Il y a un producteur qui a la structure, il y a un homme qui a la cobaye. Il y a un pro, tout le monde a mis les commandes. Mais je ne pense et je ne souhaite pas que tout soit comme ça. Je sais que là où je m'engage, il y a un travail. Il y a un travail. Donc, rassure-toi. Francis Kakonde, Francis, bonjour. Bonjour, en direct de chez mon ami ici. Bon, il y a un peu de temps, virtuellement, mais il y a un peu de temps. Donc, je suis heureux. Dis-moi, Francis, tu es revenu rapidement pour la pré-conférence et après, c'est à Blaise Boula. Pourquoi? En fait, la maison Cadland. D'abord, Mbote na bino ba téléspectateurs, na bosani kopé sa bino Mbote. La maison Cadland, si vous regardez dans l'affiche, il y a le nom de mon émission, de ma boîte de production. Nous avons une boîte de production qui aide les artistes ou même des personnalités par rapport à l'image. Bah solliciter nga, donc bah footing nga, pour na zone nga, pour na zone nakin, pour na boulot. Na zone nga spécialement, car pour na ça la présentation album, il y a Blaise Boula. Il y aura une conférence de presse le 7 juin officiellement. Donc en fait, c'est ça, je suis venu pour la maison de production, pour accompagner l'artiste et l'album Randekita. Randekita, franchement, il t'ont fait venir de qui? Ils ont mis les moyens. Ma chère, je vais dire ma chérie, mais je dis non, ma chérie, il faut savoir dans la vie qu'il faut se faire respecter à un moment donné. Il m'avait appelé pour que je fasse le travail de promotion et tout. Moi, je leur ai dit non, je suis à Kin pour mon travail. Si vous voulez que je vienne pour ça, vous me payez et je reviens. Il n'y a pas de problème, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut qu'on fasse valoir notre travail, notre métier. Et je pense qu'Arthur Kadima, le patron de Cadland, il sait, il connaît la valeur des gens. Et il m'a fait venir exprès. Donc, comme on parle là, Charvet ce matin. À Bruxelles, j'ai pris le train, le Thalys, en première classe, hein, 120, Naïti Awa, d'écouter Naba Sero. Donc, je suis content pour l'album de Blaise, ça prouve qu'il y a du sérieux dedans. Maintenant, la seule chose qu'on veut, c'est que ça marche l'album, parce que Blaise, il fait des très belles œuvres, mais promotion des barres, à mon Isalaté, mais Cadland a mis les moyens et j'espère que. Et Simba, quoi. Non, on sait que tu es occupé et que tu vas prendre ton Thalys première classe pour rentrer. Dis-moi, Francis, tu as écouté l'album. Là, on a entendu Alexandrie. Belle rumba, belle chanson, clip qui toque, vraiment bravo. Tu as écouté l'album, qu'est-ce que tu en penses?
Blaise Bolet égale à lui-même, ça reste un très grand chanteur, c'est celui qui mettait l'harmonie en fait. Et l'or Batwabo s'en a révélé, c'est qu'en dehors d'Alain Pella, Marie-Paul, Adolphe et tout ça, Blaise Boula Yébi, côté harmonie, mettait l'harmonie en fait, le lien entre JB et Ouéra dans la chorale. Et quand on regarde les vidéos de l'époque de Wenge, en studio chez Mike Macabre et tout, c'était Blaise Boula qui, comment on dit, les voix témoins, qui aidait parce qu'il arrivait à mettre le lien entre les deux. Il a toujours fait ça, même à l'époque de BCBG et tout, il le fait. Blaise Boula fait toujours des belles œuvres en termes artistiquement parlant. Donc il faut écouter l'album, il est sur tous les réseaux sociaux, enfin toutes les plateformes de téléchargement et tout. Écoutez, c'est un très beau travail, surtout qu'aujourd'hui, on se plaint que les chansons sont creuses, que l'artiste bah, jeune n'a bien bah, sur l'album, car kobina, mais les chansons n'ont plus de fond. Dans cet album, il y a un fond, c'est un très bel album, consommez-le, Boyoka, j'espère que vous vous en tout cas, moi, personnellement, je vous le conseille, voilà. Merci. Bon, Francis, on va te laisser, mais un petit mot pour les fans et pour tes émissions aussi, là, pour qu'on puisse te suivre un peu. Oh, c'est déjà fini, mais moi, je suis là pour toi, hein. Je peux rater mon train. Hein. Si tu veux que je le rate, je le rate. Hein. C'est pas grave, t'es au foot, aux appels un bon et belé. Attends, c'est en famille, si vous ne savez pas quel est derrière la caméra, c'est la famille, donc c'est pas grave, bon foot à rare, hein. C'est pas grave. Donc quoi? Un petit mot pour tes fans. Tous les fans de Francis Kakonde et donc de chez Francis, je sais que beaucoup se plaignent que maman arabe émission n'a trop tenu internet, mais il y a un contrat avec Canal+, Canal+ Afrique et Antenne A, particulièrement Antenne A, pour que ce soit d'abord des exclusivités de la télévision. Donc il y a l'écran à TV Kuna, à Canal+ Afrique. Donc quand c'est fini, attends un mois, deux mois, après écoute à internet. Je suis vraiment désolé, mais il y a les gambois, respectez contrat. Donc bah, fan d'internet, Hermoro beaucoup ta page à chez Francis, toi Francis Kakonde, et vous verrez, des fois il y aura des émissions de plus en plus. Donc voilà. Merci Ming Francis, merci et bon courage. Merci Nayo.